Son Excellence, Madame l'Ambassadeur des États-Unis, Monsieur le Doyen de la Faculté Palestinienne à Larache, Monsieur le Président de l'Université Abdelk Sadi, Madame la Rectrice USAID Maroc, Madame Development Specialist Economic Growth Office USAID, Madame Chef de Projet USAID Career Center, chers partenaires, chers professeurs, administrateurs, étudiants, étudiantes, honorables invités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette cérémonie d'inauguration officielle du Career Center antenne de l'Université Abdelk Sadi à la Faculté Palestinienne à Larache. La parole est à Monsieur le Président de l'Université Abdelk Sadi. افتتاح مركز مهارات مهنيه بكليه متعدده التخصصات بتعاون وتنسيق مع الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سون اكسلونس امباسادريس ديتاز اوني داميريك مسيو لو دويان دو لا فاكولتي دو ديسيبلين دو لا راش مدام لا ديريكتريس دي سال دي ماروك مدام لا شاف بروجي دي سال دي كارل سانتر تو شير بارتنير دو لي سال دي سانتر اي دو لي سال دي بروغرام. Chers professeurs, chers administratifs, chers étudiants et étudiantes, honorables invités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, nous avons la fierté de vous accueillir aujourd'hui à la faculté polydisciplinaire de Larache à l'occasion de la cérémonie officielle d'inauguration du Career Center de l'Université Abdelk Sadi à Larache. C'est Career Center qui s'occupe aujourd'hui de la question de la préparation à l'emploi et de l'insertion professionnelle de nos étudiants. Donc le Career Center a été ouvert il y a 3 ans, plus ou moins, à Tanger, donc le centre. Et là, donc, on va essayer de faire une dissémination d'antennes dans les différents centres appartenant à l'Université Abdelk Sadi. Et la première de ces antennes, elle est à Larache, bientôt on aura une autre à Martigues, ensuite à Nusayma, etc. Donc c'est un programme extrêmement important pour nous, extrêmement enrichissant pour l'insertion, pour aider à l'insertion professionnelle qui est, dans les étudiants, qui est, comme vous le savez, une question qui nous interpelle tous, quelle que soit notre position, vu l'importance pour le développement de notre pays. En effet, c'est une problématique qui soulève le débat au moment où le monde en général, et notre pays en particulier, cherche à améliorer l'employabilité de nos jeunes diplômés. D'ailleurs, j'ai la conviction profonde que nous pouvons aspirer à une croissance économique durable et soutenable, sans investir dans la formation et le développement de jeunes compétences en quantité et en qualité capables de répondre aux nouveaux besoins pesants, pressants d'une économie de savoir qui n'a jamais été aussi globale, mais surtout aussi dépendante du savoir économique, mais également de la pensée humaine, de la pensée
puisque la technologie est d'abord au service de l'humain. Vous conviendrez alors avec moi que la responsabilité de nos universités est grande en tant qu'opérateurs de formation et centres de diffusion du savoir, de transmission et de création du savoir et de la science. Dans notre université Abdelhak-Saadé en particulier, nous intégrons la question de la préparation et le suivi des diplômés dans le cadre de notre stratégie. Grâce à ces carrières centres créés en partenariat avec l'USAID, nous cherchons à apporter des réponses pragmatiques et rigoureuses à la question de l'employabilité des jeunes. Merci à Madame l'ambassadrice des États-Unis, merci au programme USAID et à toutes les personnes qui chapeautent ce programme et qui travaillent dans ce programme. Merci à tous nos partenaires, merci à tous les professeurs et le personnel administratif qui se sont engagés dans l'amélioration de l'employabilité de nos jeunes, de nos enfants. Merci à mon cher ami professeur Mohamed Arbekelkeb, donc doyen de la faculté polydisciplinaire de l'Arache, pour son engagement en faveur de l'adéquation formation-emploi et pour l'effort consenti en faveur du devenir de nos étudiants. Félicitations aux étudiants entrepreneurs aujourd'hui, présents aujourd'hui parmi nous et qui travaillent sur des projets de création d'entreprises à partir d'idées innovantes et créatives. Nous avons constaté donc la largeur de la créativité de nos étudiants, donc ça va des produits cosmétiques jusqu'à les nouvelles technologies, donc avec la reconnaissance digitale. Donc c'est une gamme très large. Toutes mes félicitations et merci pour votre créativité et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci à tous pour votre présence ici aujourd'hui, pour l'inauguration de ce Career Center qui va rapidement devenir, j'en suis sûr, une valeur ajoutée pour cette excellente faculté pionnière et qui se développe d'une manière remarquable et à tous les niveaux. Merci infiniment. La parole est à Monsieur le doyen de la faculté polydisciplinaire à l'Arache. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashrafil mursalin. Son Excellence, Madame l'Ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Monsieur le Président de l'Université Abdelhak-Saadé, Madame la Directrice USAID Maroc, Madame la Chef du projet USAID Career Center, chers partenaires, chers professeurs, chers administratifs, étudiants, étudiantes, honorables invités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'inauguration du Career Center de la faculté polydisciplinaire à l'Arache et qui vient renforcer les efforts de notre université en direction des jeunes et leur préparation à l'emploi. Une insertion professionnelle réussie de nos diplômés nécessite plus que jamais des solutions construites en partenariat. C'est pour cette raison que je voudrais remercier Son Excellence, Madame l'Ambassadeur des États-Unis d'Amérique, pour sa présence aujourd'hui parmi nous, et la remercier également pour les efforts consentis par les États-Unis d'Amérique, ce pays ami, à travers l'USAID, représenté aujourd'hui par sa directrice au Maroc, et son soutien à travers le programme Career Center, que nous considérons aujourd'hui comme un véritable exemple de coopération réussie. Je voudrais remercier chaleureusement mon président et cher ami le professeur Mohamed Rami, qui ne ménage aucun effort pour soutenir cette faculté à tous les niveaux. Notre éloignement à l'Arache, nous sommes à l'Arache, notre éloignement géographique par rapport à la présidence de l'université est largement compensé par sa proximité et son engagement personnel pour le développement de cet établissement. Ce projet en est un exemple. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, il reste assez paradoxal que le gros contingent des personnes sans emploi vient des diplômés lorsque les entreprises clament un déficit en ressources humaines. Que deviennent les étudiants de la faculté polydisciplinaire après avoir obtenu leur diplôme? Comment les aider à créer leur projet professionnel et accéder à leurs premiers emplois à la région, au niveau de la province, au niveau de la région ou au niveau du Maroc? Le chômage des jeunes diplômés résulte-t-il pour l'essentiel de l'inadéquation formation-emploi?
Ce sont là autant de questions et de défis que nous allons chercher à répondre de manière scientifique et rigoureuse. Grâce à ce Career Center que nous avons inauguré aujourd'hui, nous serons en mesure d'apporter quelques éléments de réponse, j'en suis convaincu. Notre ambition est de devenir une faculté qui fait preuve de plus de réactivité à ce sujet et essayer non seulement d'améliorer l'employabilité des jeunes, mais intervenir davantage dans le placement de nos diplômés. Alors, toujours en partenariat avec le CID, nous organisons depuis 3 jours une activité importante pour la promotion de l'auto-emploi, toujours dans la thématique de l'employabilité. Cette fois, l'auto-emploi, grâce à l'accompagnement d'un formidable vivier, vous l'avez visité, un formidable vivier d'étudiants entrepreneurs qui peuvent investir, innover, créer des emplois et prendre des risques. Il est de notre devoir de tous de les valoriser et de les mettre en synergie. Si vous avez vu leur projet, vous aurez compris qu'aujourd'hui à la faculté polydisciplinaire à l'Arrache, la culture entrepreneuriale n'est pas présente uniquement dans nos discours. Il se cristallise sur le terrain grâce à un magnifique travail réalisé par de nombreux professeurs, chapeauté par le professeur Hicham Hachaché, ici présent, que je remercie vivement. Mon dernier mot sera pour Madame Myriam Marmouz, qui a fait un excellent travail pour mettre en place ce Career Center. Je la remercie infiniment. Mais je voudrais aussi avoir un mot pour les étudiants. Je vais terminer en m'adressant à ces futurs créateurs d'entreprises, en leur disant que le début d'une aventure entrepreneuriale commence toujours par un rêve, une projection, une vision. Les entrepreneurs sont ceux qui, un beau matin, décident d'aller jusqu'au bout de ce rêve. C'est là où naît la passion, moteur indispensable de l'entrepreneuriat. Si la passion est le moteur, il faut bien l'alimenter chaque jour par un carburant. Votre carburant, c'est le travail, la persévérance et un bon réseau. Merci à tous pour votre présence ici, pour votre collaboration et beaucoup de succès au Career Center. Merci. La parole est à son Excellence, Madame l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Good morning, everyone. I'm delighted to be here. It's a pleasure to see this beautiful campus, my first visit to it. I hope it's not my last. I know that you're here in L'Arrache, a place of great beauty, of great productivity, with all of the agriculture that's going on here, and so many things to offer, the history of this place. So I think it's fitting that we're here looking back at the historic origins of this center of population, but also looking forward. One of the things I must do is to thank so many people who have made this a reality. First, I'd like to thank Mr. Mohamed Arami, the president of the university, for his vision and his work on doing this. Mr. Hassan Isbak, the vice president in charge of academic affairs, and Mr. Mohamed Labi Kirkab, the dean of polydisciplinary faculty at L'Arrache, for their invitation to this event. Thank you. I'd also like to thank the director of the Career Center, Ms. Sarah Chetwani. Thank you so much for all that she has done, who has opened all of these satellite centers, and I think it's a wonderful testament to your work. And of course, to Myriam Marmouz, who is here with us today for taking on the role as director of this satellite center. The Career Center is an important part of what we are doing through the United States mission to Morocco in conjunction with the government of Morocco. It is our way of reaching out to you, the youth of Morocco, to help you realize your dreams, achieve your goals, and to start your lives knowing that there is no limit to what you can do. We have a long history between the United States and Morocco, as you well know, Morocco being the first country in the world to recognize, to recognize the United States. And I like to say that 242 years ago now, Morocco looked across the Atlantic, saw our struggling democracy,
saw something in us, recognized we had potential, reached out its hand in friendship, and helped us realize that potential. And the next 242 years have been a history, a joint history between our two countries, trying to do that exact thing, continuing to recognize potential and unlock it. And what we do today through the United States Mission in Morocco in our outreach to youth is exactly that. Many of you probably know we have the Millennium Challenge Corporation here. We have a compact with Morocco, over $1 billion from the people of the United States of America to the people of Morocco to help youth realize their dreams. We have the Peace Corps, which continues to engage with youth across the country. We have our public diplomacy programs, which reach out every single day to young people here in this country. And of course, we have the U.S. Agency for International Development, which has done such marvelous work. We celebrated last year 60 years of cooperation between the government of Morocco and the Agency for International Development, and I think the Career Center is the culmination of it. It's something that shows that we continue to invest the people of the United States in the people of Morocco. We see your potential. We want to help you unlock it. Some of the programs that we're doing this year include Moonshot Morocco. I don't know if any of you have heard of this. This year we celebrate the 50th anniversary of the first landing on the moon. And in doing this, we have a year-long program of lectures, of hackathons, of workshops, etc., to look at science, technology, entrepreneurship, risk-taking, leadership, to help you think of what is your moonshot, what is your dream, and how can we help you achieve it. So this is just a small moment for us today, but I think it's a big moment for the history of our two countries, because it will start another collaborative effort, a way in which we will continue to engage the youth of Morocco through the people of the United States. And I hope that you will see that we are here with you. We want to help you. We want to help you achieve your dreams. You're very fortunate to be at this beautiful campus with this wonderful faculty and leadership who are so dedicated to you. And if I can say, just for a moment, je suis ravie d'être ici. Je pense que c'est très important pour les jeunes marocains comprendre que le peuple des États-Unis nous comprenons que vous êtes le potentiel de faire toutes les choses. Quelque chose vous voulez, vous pouvez faire. Et nous voulons vous aider en cette pour vous arriver à vos rêves. Parce que c'est très important pour nous, des États-Unis, que nos amis pour tout le monde comprennent que nous sommes à côté de vous. Nous sommes à côté de vous d'aider, de parler, de travailler conjoint. Et conjoint ensemble, nous pouvons faire les choses importantes et les choses nécessaires pour recevoir tous les défis en ce monde. Donc, nous, la faculté, l'agence de développement international, les peuples des États-Unis, nous vous donnons seulement une petite chose, une opportunité. Mais vous nous donnez une chose très grande, votre énergie, votre dédication, votre créativité, votre rêve. Donc, merci pour toutes les choses que vous donnez à nous, parce que c'est une chose très importante. Et c'est entre les deux pays, c'est l'amitié très importante pour nous. Merci. Maintenant, je donne la parole au professeur M. Achiki pour nous parler de l'aventure entre nous. Monsieur le Président, Monsieur le Doyen de la Faculté, mes chers.
mes chers étudiants, nos chers invités, je vous souhaite la bienvenue à la faculté polydisciplinaire de l'Arrache. Et c'est l'occasion pour nous pour vous montrer ce que nos étudiants arrivent et réussissent à faire. L'histoire a commencé à partir de 2013, où nous avons, chaque année, au début de l'année, on demande aux étudiants en groupe de développer des projets. C'est une application pour le module management de projet. Et à la fin du premier semestre, ils arrivent à développer ce qu'on appelle un concept, c'est-à-dire une idée de projet en réalisant une analyse de faisabilité technique et commerciale. À la fin du semestre, donc au début il y avait 300 étudiants, 330 exactement, qui ont réussi à développer 41 projets. À partir de cette étape, on a commencé la deuxième étape, c'est-à-dire le management stratégique. Chaque groupe cherche à positionner son projet, son produit, sur le marché. Et à partir de là, on travaille, c'est un travail qui se réalise en parallèle avec le module management stratégique. Donc les étudiants développent et cherchent à insérer le produit sur le marché. Et à partir de là, c'est-à-dire on cherche à développer le projet, à développer et à réaliser le produit. Donc de 41 projets, de 41 idées de projet, on est arrivé à 28. Donc 28 projets ont participé à, cette année c'était la 6e édition, du Entreprendre mieux qu'attendre, durant lequel on invite un jury composé de 3 groupes, des industriels, et nous avons l'honneur d'avoir Younes Fellah et Madame Saïda qui représentent et qui participent avec nous chaque année pour évaluer et juger ces projets d'étudiants. Donc à travers vous, je tiens déjà à vous remercier et à travers vous, remercier tous les industriels qui participent avec nous. Deuxième composante, c'est l'ANAPEC, un partenaire fort pour le développement de l'incubateur et aussi pour le développement de différentes activités. Donc je tiens à remercier son directeur présent avec nous aujourd'hui et nos chers enseignants qui participent aussi à l'évaluation des étudiants. Donc au nom des étudiants et au nom de tous les invités, je remercie nos chers professeurs. Donc à la fin, on est arrivé à 28 projets qui ont été réalisés, et après l'évaluation des jurys, on a sélectionné 15 projets qui ont participé au challenge à une formation accélérée en 36 heures pour entreprendre, co-organisée d'ailleurs avec l'USAID. Je pense que Madame Bermoz, vous pouvez parler, présenter un peu l'activité. Juste pour faire vite, faute de temps. Donc, c'est une activité qui s'est déroulée sur 3 jours, en formant 15 équipes en termes d'entrepreneuriat et coaching. Je remercie infiniment l'équipe de Tanger, bureau régional, monsieur Moulaïket Beslimane, l'équipe de Rabat. Merci à Al-Sahdi, merci au Père Saint-Père, merci beaucoup à l'équipe de Tanger. Je vais passer la parole à M. Ajdhi pour annoncer les 3 euros gagnants de la compétition. Merci. Donc le jury s'est réuni et ils ont classé les groupes et les gagnants. Donc la troisième place sera au projet. Et lorsque je dis au projet, c'est avec X et avec S, parce qu'il y a 2 projets qui ont la même place. Donc j'appelle Zintin et Switch Bohan. Le prix sera remis par Madame Lamrani. Bravo.
Bravo. Félicitations. Bravo. Bravo. Le deuxième prix, c'est le groupe Corimas. Le prix sera remis par Monsieur le Président de l'Université Abdelmalek Sadi. Comme on dit toujours, l'essentiel c'est de participer, mais je suis sûr que vous avez développé des compétences dont vous aurez besoin pour développer vos activités futures, quelle que soit l'activité, soit le projet, soit autre chose. J'aimerais bien aussi signaler que l'essentiel c'est pas ça, c'est pas le développement et c'est pas les prix que vous allez recevoir aujourd'hui. L'essentiel c'est de continuer le travail. Ces résultats ont été donnés à un moment donné, par un jury donné. C'est-à-dire, si le groupe, même s'il est primé, il est content, heureux et en train de prendre des photos, s'il ne travaille pas, ils peuvent régresser et perdre des parts de marché. Et aussi, s'il y a des groupes qui ne sont pas primés aujourd'hui, s'ils travaillent, vous aurez des parts de marché dans le futur. Et je pense que lorsque vous allez atteindre cette étape, vous allez comprendre exactement ce que ça veut dire le Kaizen. L'amélioration continue. Si vous vous arrêtez, c'est fini pour vous. Donc pour ne pas tarder, vu le temps calculé, j'aimerais bien remercier quelqu'un qui est proche de vous. Sylvie, oui, grâce à vous. Donc le premier prix de cette sixième édition est le groupe. Bouvlex. Le premier prix sera remis par son excellence, Madame l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique. Photo d'ensemble, c'est ça? Parfait. Tous les gagnants. Tous les gagnants. This, what you're doing now, he did before, and look at how successful he is. You're going to be successful too. Exactly.